À la mémoire de Denis Lortie. Pas pour les crimes qu'il a commis, mais pour le message que je vais vous transmettre. Elle veut apprendre des meilleurs. Trois jours isolés, à préparer l'attaque. Comment vais-je envahir le Parlement? Les cadres en sonnent, le moment attendu. Après plusieurs refus de permission, je vais enfin passer à l'action. En voiture de location, je me dirige vers ma mission. Tenir la promesse, première adresse, la base de cartes. Emplie dans ma profusion, habitué à leur contact quotidien. Elles sont miennes, deux mitraillettes, AK-47. Un pistolet Browning, masque à gaz, gilet pare-balles. Tenue mortelle combat. Des centaines de chargeurs pleins de balles. J'emplis mon auto avant de penser à l'action. Faire la pire tuerie à connotation politique. Tu le rat, tu le communiste, paye kiss. Tu le René Lévin. Le mardi 8 mai 84, le temps parfait pour l'assaut. Étant l'élite du commando, je vais abattre tous mes rivaux. Mystère incroyable du message de Dieu réclamant la lumière. À la recherche de la vérité, sérénité. Le siège social cible visé. André Arthur, animateur à Québec. Sonne le glas à 9h40. C'est à ce moment que ça se passe. Mitraillette 9mm, courte visite à la citadelle. C'est à bout portant, employé de la garde nationale. Remonte en trompe, direction le salon bleu. Plusieurs rafales, victime tomba sur les balles. 3 morts, 8 blessés, me voilà arrivé. Assis sur le fauteuil du président. Je crache mes dents sur la fausse démocratie. Attends patiemment la négociation. Sinon tous ces gens mourront. Bonjour, ici le sergent d'armes René Jalbert. Oui, je viens ici revendiquer mes droits et réparer mon peu de fierté d'avoir été manipulé comme une marionnette. Sonner l'alarme que je puisse faire la une des manchettes. 2h22, le moment de la reddition. Sortie pacifique, menotte au point. Me voilà à la merci des flics. Viens les tribunaux, au son du marteau, sentant sa vie. Derrière les barreaux, Denis Lortie, détenu un héros. Première page dans les journaux, sentence meurtre au deuxième degré. Raison de troubles mentaux, j'aurais réussi où tous les guilles et les pins m'ont échoué. Devenir un héros à la fille des Castro.